Salut tout le monde! Donc, on se retrouve sur une carrière suivie sur Proceeding Manager. Donc, j'ai pris l'équipe Autumn Séché. Pourquoi? Parce que je voulais prendre une équipe correcte qui joue, qui n'est pas en World Tour, mais qui n'est pas en Continental. Donc, une équipe Continental Pro. Parce que du fait que le nouveau PCM va sortir, c'est pour plus vite. Pas cette saison, parce que sinon, enfin, plus vite se retrouver un savoir tour, enfin, essayer de se retrouver un savoir tour. Donc, on va présenter les coureurs. Donc, Jean-Marc, voilà, Jean-Marc Bidot, 29 ans, baroudeur. Bon, ça sera un équipier, pas de tellement de choses à dire sur lui. Mathieu Boulot, un jeune grimpeur qui va plutôt nous servir à mener enfin, Brice Feuillu. Qu'on verra après. Frédéric Brain, le baroudeur qui était à Aubert 93, qui est venu à Wattenséché. Lui, il nous sera, enfin, nous servira à mener nos sprinteurs. Maxime Cam, le grimpeur de 21 ans, pareil, qui aura le même but que Mathieu Boulot d'amener nos grimpeurs, enfin Brice Feuillu. Le plus loin possible dans les étapes de montagne. Anthony Delaplace, lui qui aura un rôle d'électron, que j'enverrai en échappée, souvent d'ailleurs, et qui, des fois, enfin, souvent même, qui emmènera le sprint, enfin qui roulera pour emmener le sprint, en tout cas, parce qu'avec un 77 de baroudeur, emmener un sprint c'est pas mal, et tentera sa chance dans enfin, sur les petits contre-la-montre, non, enfin, donc les prologues, avec un 74 de prologue. Ensuite, nous avons Romain Fuhu, le sprinter qui était à Sogensen et à Vacances Soleil. Il a porté 3 jours, je crois. Enfin, il a quand même porté le maillot jaune sur le Tour de France en 2009 avec l'équipe Alchichubel. Et donc, il est venu se relancer dans notre équipe, bloqué par de nombreuses blessures. Il est là, il est de retour, et on espère qu'il fasse quelque chose sur cette saison, car il passe bien quand même, il passe bien les bosses. Donc, on compte sur lui. Son frère, Brice Hugues, qui l'a suivi, montagneur, pareil, lui, il était à Vacances Soleil. Je sais pas, hein. Non. Allez au Partrec. S'il était à Vacances Soleil, à Créteil, il était à Léopardrec. Ça me choque ça. J'irai vérifier, mais je pense pas. Donc, il était. Donc, pareil, il est venu se relancer. J'espère qu'il fera une bonne saison avec nous. Armindo Fonseca, mon chouchou. Oui, mon chouchou. C'est un coureur que j'adore énormément. J'espère compter sur lui sur cette saison parce que pour moi il est énorme. Ensuite, Pierrick Fédrigo, le capitaine de route de cette équipe qui amènera un peu d'expérience un peu dans cette équipe. Donc, il est bon en tout, hein, donc il peut être. C'est un équipier, mais il peut tout faire. Hein. Donc, j'espère compter aussi sur lui, enfin. Voilà. Florian Guillou, bon en montagne et bon en vallon. Voilà, j'espère aussi compter sur lui, sur les petites bosses, m'envoyer en échappée, les grands prix de la montagne. Arnaud Girard, le contre-la-montre. Le spécialiste en contre-la-montre et en prologue. Lui aussi, j'espère qu'il fait un bon contre-la-montre et des bons prologues sur cette saison. Comme déjà, premier grand rendez-vous, c'est sur Bézège, où je le mettrai, forcément. Jonathan Hiver, le puncher. Alors, lui, franchement, il a fait une excellente, excellente saison avec l'équipe Sogensen. Et puis, il est parti enfin, il est parti dans l'équipe Belkin, quand Sogensen s'est dissous. Et puis, il fait plus rien. Maintenant, il fait plus rien. Il est aussi venu se relancer à Bretagne Séchée.
Donc, moi, personnellement, je compte énormément sur lui. Hein. Quand vous voyez ses stats, 71 en montagne, 76 en vallon, 71 en sprint, 75 en accélération. Je compte sur lui. Ensuite, Youheni Utarovic, le sprinteur d'âge de salon mondial qui est venu à Potentiché. Ça sera notre sprinteur, mais vraiment dans les étapes vraiment pleines, parce que regardez sa montagne 53, franchement, il ne nous servira pas à grand-chose quand ça monte un tout petit peu. Mais bon, il nous servira par contre à grand-chose sur les étapes de sprint. Comme les étapes de sprint, la Tour de Saint-Louis qui est bien plate des fois. Des étapes bien plates. Benoît Jarrier. Un baroudeur. Pas mal. Pareil, rôle d'équipier. Plutôt un équipier de luxe. Christophe Labourie, le sprinteur de 27 ans. Il nous amènera le sprint, mais bon, pourquoi pas tenter sa chance aussi. Kevin Ne Danois, grimpeur, jeune, 20 ans, il sort du centre de formation. Je compte sur lui aussi, particulièrement parce qu'il est jeune. Ensuite, Daniel Maclay. Alors lui, regardez son âge. J'espère personnellement que vous en entendrez parler, professionnellement et à la télé aussi. Parce que 21 ans, pavé et contre la montre, il est bon. Et puis j'en ai entendu parler. Je me suis intéressé à ce coureur. Et puis 21 ans, il sort du centre de formation de la Lotto Bellisol, donc Lotto U20, je crois, ou un truc comme ça. Et puis je le trouve exceptionnel. Donc j'espère qu'il fera énormément de choses sur cette équipe, dans cette équipe. Je compte énormément sur lui. Ensuite, Pierre-Luc Perrichon, puncheur, rôle de équipier. Rien à dire sur lui. Eduardo Sepúlveda, l'Argentin de 22 ans, puncheur. Lui, par contre, il a levé une fois les mains. Enfin, il a gagné une seule course. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, IRL, c'était la semaine dernière, il me semble, sur la classique Sud-Ardèche. J'ai pu suivre au moins la course à la télé sur l'équipe 21. Et personnellement, il a quand même très bien géré sa course. Donc, j'espère qu'il fera pareil sur cette saison. Voilà. Et mon chouchou. C'est un coureur que j'adore énormément. Même si on regarde dans ses stats, je te dis, il n'est pas énorme. 77 ans en baroudeur, 76 en accélération. Bon, il n'est pas énorme si par rapport à certains coureurs, oui. Mais là, franchement, lui, c'est un coureur que j'adore énormément. Je le trouve magique quand même. Quand il pédale, j'adore son style. Son style sur le vélo, il pédale bien et ça sera mon leader dans cette équipe avec Sepúlveda, Feuillu, enfin les frères Feuillu et Hiver. Donc j'espère énormément compter sur lui. Donc, côté objectif, ça je les ai fait. Enfin, non, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait ça déjà pendant que je préparais la carrière. Côté objectif, on va faire un petit tour sur les objectifs. Moi, perso, les objectifs, je sens ça. Je m'en fiche pas mal. Juste ça que j'aime bien monter quand même. Parce que j'aime pas trop qu'en fin de saison, ils soient cramés mes coureurs. Bon, ça, je ferai plus tard. Hein. Pendant la pause. Parce que là, je vais vous laisser. On va se retrouver à la première étape du Tour de Saint-Louis. En même temps, je demande pour le Tour d'Ornander. Première
première étape du Tour de Saint-Louis. Et si on n'est pas pris, on se retrouvera vers la première étape du GP de Marseille. Donc, à tout de suite. Les gars, donc on se retrouve à 25 km de l'arrivée. Et à l'avant, nous avons Martin Velits de Letchix Quickstep. David Villela de la Calendal Garmin. Jérôme Bonniez de la Wanty Group Gobert. Et Antonio Zordan, peut-être, de Androni. Donc, ils sont partis dès le début. Et à l'arrière, nous avons un peloton qui roule énormément vite. Là, on va vite faire boire. Moi, j'ai mis une équipe assez compétitive parce que le Tour de Saint-Louis possède des étapes de plat et de montagne. Donc, Utahovic comme sprinter et Brice Feuillu pour la montagne. Donc, d'ailleurs, là, on va pas tarder à se replacer. Ouh là là, une cassure. Une énorme cassure avec le vent. D'ailleurs là, une cassure, on va vite préparer le sprint à l'avant. Excusez-moi si je mets sur pause. Utahovic est chaud quand même, il est chaud bouillant. Putain, la route, c'est plus fait. Ah, et c'est plus fait à la route de Brice Feuillu. Est-ce qu'il y a un gars là? Dans le groupe, ouais, on a Jarier, et est-ce qu'il arrivera à remonter? Ça roule énormément vite hein, sur cette fin d'étape. Il reste plus que 15 km. D'ailleurs, là, on a Bido qui tente de faire l'effort. Laborie. Après, on n'a pas tellement de leaders. Donc, c'est pas grave si ces deux terminent loin. Et en tout cas, là, ça roule fort. Et Bonniez devant accélère. Villela et Zordan suit. Martin Velits a un peu plus du mal. On voit cette cassure quand même. On voit cette cassure derrière ça. Ça tente de réagir avec Bito toujours. Et ça y est. Tu vas te mettre dans la roue de Jarier. Vas-y petit. Faut pas que tu perds tellement de temps. Mais devant, Bonnie semble être parti. Alors que Benoît Jarier, lui, fait l'effort. Une minute d'avance pour Jarier, hein. Il va aller au bout. D'ailleurs, tu fais l'effort, enfin, Bonniez plutôt, parce que Jarier. Excusez-moi si je mets sur pause, mais bon, j'aime pas. J'arrive pas à jouer sans mettre sur pause. Voilà, on gêne un peu, c'est pas grave, ni vu ni connu. Oh là là. Oh là là. Bon, mais là, Danilo, c'est parti pour s'en aller s'imposer. Daniel Oss va s'imposer. Voilà, c'est tout le monde, sauf Utahovic. D'ailleurs, même aussi derrière, non, le bruit. J'ai on lance. Utahovic. Essayez au moins de faire une bonne petite place, ça serait bien. Ça serait pas mal, du moins. Devant, Oss est parti. Hein. C'est cuit. Oh là là, il se gênait. Or qu'il semblait être en forme. Oss est très bien emmené. 31, Ball, Boss. Oh, Utahovic. On va le lancer maintenant à Utahovic. Et devant, on va assister à une victoire de Daniel Oss, tranquille. Avec... avec 5 mètres d'avance, à peu près. Même pas 10 mètres d'avance. Ouais, même pas 100 mètres d'avance. Et Utahovic, lui, il va faire une belle 5e place. Une belle... bon... il aurait pu faire mieux hein, s'il n'aurait pas été coincé. Derrière, par contre, ça fait des dégâts parce que les cassures. Hop, il fait moi un petit sprint de 5 mètres. Derrière, Thompson, lui, arrive cuit. À plus de. Ouf, 8 minutes sur une étape de plat. Ça fait mal. Regardez-moi ce sprint. Oss, sans rien faire. Même Caruso. Termine 4e. Caruso. Me semble. Ouais. Non, 3e.
franchement. Donc, le maillot jaune, c'est Daniel Oss. Benicango, Daniel Oss, devant Tobos, Caruso, Martin et Uhtarus. Caruso, quand même, le montagnard, qui prend un sacré envergure, quand même, parce qu'il prend quand même du temps de bonus sur une étape de plat. Donc voilà, on se retrouve pour cette deuxième étape du Tour de Saint-Louis, et je pense qu'on fait celle-là, et c'est bon. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve à 30 km de l'arrivée sur cette deuxième étape du Ruta de Saint-Louis Tilizarao Terrazza del Perne per Porteseulveo. Bref, donc troisième en tête, Martin Vivet, comme hier, comme l'étape d'avant, Marangoni et Zoltán, comme l'étape d'avant aussi, donc deux coureurs échappés déjà. Et à la main, mais Jean Bouniz qui est roulé de l'étape d'avant. Donc, il n'y a que. Non, c'est échappé, c'était. Oh là là, attention à la cassure. Il est fort quand même pour. C'était. Je sais plus qui c'était l'étape d'avant. Ben, c'était. Un Garmin Sharp, enfin un Calendal. Calendal Garmin, mais c'était pas lui, c'était. C'était. Delila, voilà, David Delila. Donc, je voulais vous dire de si vous avez des défis à me proposer, vous le marquerez en commentaire. On propose des défis, genre gagner Paris-Roubaix avec je sais pas moi, avec Alexandre Pichot, mettons. Hop, hop, j'essaie de refaire, enfin de faire le défi. Donc vous mettez n'importe quel défi, hein. Sauf genre, je sais pas moi, genre gagner une étape de montagne avec Marcel Kittel, voilà. Et si vous avez des défis à me proposer, n'hésitez pas. Oh là là, par contre, là, ça arrête de rouler. J'aurais dû mettre Bido à l'avant. J'ai hésité à le mettre. Donc, si vous avez un défi, vous me le dites. J'essaierai de le faire avec grand plaisir. J'essaie de former mon trait là. Bon, les petits, hein. Mettez tout ce que vous avez. De toute façon, l'échappée ira au bout. L'échappée va se concrétiser. Alors là, je possède une souris tout pourrave, sans ring, et micro tout pourrave. J'essaie d'économiser pour m'acheter un micro déjà. La souris, pour l'instant, elle tient. Et ensuite, m'acheter une souris. Donc, je vois. Et je tourne mes vidéos avec Camstasia. Alors. Enfin, ah ouais, avec Camtasia. J'hésite à dépenser 30 euros pour Fraps. Donc, si vous avez d'autres logiciels de vidéo à me proposer, n'hésitez pas. Moi, je prends avec grand plaisir. Et si vous voulez faire des vidéos, enfin, avec moi, vous parlez par Skype, enfin, par commentaire, je verrai ça après. Et je serai aussi à la recherche de modos sur Twitch. Bon, Twitch, pour l'instant, c'est pas maintenant, c'est dans 3 mois, hein, quand même. Le temps de laisser monter un peu tout ce qui est abonné. Donc, pour l'instant, à l'avant. Bon. À l'avant, nous allons assister à la victoire de Maroni. Pareil, en solitaire. Et qui va prendre le maillot jaune. Derrière, nous avons Zordane et Velis qui font le sprint derrière un peloton qui arrive à grande vitesse quand même. Enfin, à grande vitesse, ça roule pas énormément. Hein. Je vais. Je lance le sprint. Ça roule à 52 km/h quand même. Et Tarovic qui va faire quatrième. À part si. Oh, il s'est fait doubler par Ruffoni et Théobos.
Donc, si vous avez des trucs à me proposer, n'hésitez pas. Hein. Comme je l'ai dit dans ma vidéo présentation, cette vidéo sortira. On est quel jour là? On est samedi. Ah oui, parce que je tourne cette vidéo, il est 1h30 du matin. Je suis extrêmement fatiguée. J'ai mes frères qui dorment, mes parents qui dorment, les voisins qui dorment. Donc, j'évite de parler trop fort. Parce que le seul moyen que je puisse tourner mes vidéos, c'est le soir, donc j'en profite. En plus de ça, je suis en vacances, donc voilà. Et je termine de tourner cette vidéo et je go au lit parce que demain, je dois aller au coiffeur pour me faire une nouvelle coupe. Je papote, mais bon, j'attends que ça passe. Et on va pas tarder à terminer cette vidéo. Voilà. Marangoni. On va vite faire un petit tour dans la page des résultats. Et voir les résultats du tour d'Olander. Aussi, Marangoni, le plus fort. Au classement général, Marangoni. D'abord, on a eu un abandon. Ruben Fernandez, qui est, me semble, qui est tombé. Il est blessé. Voilà, blessé. Alors, Marangoni, Manzor, Van Delitz, Os, Boss, Boniz, Caruso, Villela et Utahovic. Ruffoni, 10e. Au niveau montagne, c'est Marangoni devant Zordan et Bedit. Au niveau par classement par points, Zordan devant Marangoni, Teobos, Os, Caruso, Utahovic, qui est 6e, Ruffoni, Bedit, 31 et Dumoulin. Meilleur jeune, c'est Zordan devant Villela et Ruffoni. Et notre premier, c'est Sepulveda qui est 7e. Et Warren Barguil, quand même, qui est là. À noter. Au classement par équipe, on est 11e. On est quand même dans les mêmes temps que Sky. Donc 11e. Ça va. Enfin, sur 16, c'est compliqué. Alors là, vous allez me demander pourquoi l'arbitre, c'est un drapeau italien. Donc en fait, je suis sur ma DB. Et donc, l'armée de terre, je l'ai créé et j'ai mis le maillot de Sation, du sponsor Sation. Et du fait que c'est italien, il y a le drapeau italien, mais c'est une équipe française. Donc, ça voilà, nous allons continuer. Et la preuve aussi, je vais vite vous faire montrer un truc, que je joue en difficile. Je joue un difficile parce que extrême c'est compliqué. Déjà un difficile, après si je vois que c'est vraiment trop facile, parce qu'au fur et à mesure je mettrai un extrême, mais pour l'instant je joue un difficile. Alors là, résultat du tour d'Under, PPP, on va pas. On va vite voir ça. Donc d'ailleurs, qui a gagné l'Australian Championship? C'est Nathan Haas de Canada Garmin, devant, qui règle un petit groupe de 6, Goss, Machu, Michael Matthews, Hansen, Clark et Richie Porte. Oh, il y a McElmore. Blague de ouf. Ruta de San Luis. Daniel Loss, Théo Boss, Caruso. Ça aussi. Je me disais, mais pourquoi autour de Donnender, la première étape, c'est Christophe Sutton qui s'est imposé. Arrivé légèrement en boss devant Hans et Matthews, Michael Matthews. Côté français, le premier français, c'est Sid Gauthier de Robcar. Louis Mondori et Kevin Reza qui étaient à Robcar et qui a signé à l'IG. Deuxième étape, on n'a pas de deuxième étape. Donc, on fera cette troisième étape sur la prochaine vidéo. Alors là, je suis en train de regarder parce que j'ai commencé le tour de San Luis, mais je vais pas faire toutes les courses. Je vais sûrement faire les principales, c'est-à-dire le programme. Je vais faire Marseille, Bézège, Dubaï et Qatar. Je vais pas les faire en vidéo. La Méditerranée, je vais la faire en vidéo. Le tournoi, non.
le tour du Var, oui, parce que c'est sponsor, donc je les ferai en... Enfin, c'est des objectifs du sponsor, donc je les ferai en vidéo. Valencia, non. Sud Ardèche, non. La Drôme. Enfin, voilà, c'est là où s'est imposé Sepúlveda, Grand Prix du Sud Ardèche. Donc ici, peut-être que je la ferai pour défendre le titre IRL de Sepúlveda. GP de la Drôme, oui. Parce que c'est une course que j'aime particulièrement, donc je la ferai. Donc je ferai sûrement ces deux sur la même vidéo et peut-être une troisième course, donc peut-être celle-là. Bon, Paris-Nice, oui. Et ensuite, les grandes courses. Après les petites courses comme, je sais pas moi, GP de Cholet, en route de Loire-Atlantique, Classique Roma, je vais peut-être pas les faire. Donc voilà, je vous laisse. C'est tout. Enfin, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes amusés et que ça vous a fait plaisir de regarder cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a énormément fait plaisir de jouer avec vous et de passer un bon moment avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus plus. Bye bye.